Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conte. Yvette, la reine des fourchettes 2. Vous êtes bien installée? Le conte peut commencer. Il était une fois Yvette. Yvette, la reine des fourchettes, la reine des assiettes. Et Yvette, elle veut se marier. Oui, elle veut se marier. Mais attention, pas avec n'importe quel mari. Non. Elle cherche un mari qui rit lorsqu'elle s'appuie. Oui, alors elle a rencontré le lion, l'éléphant, les grenouilles et puis aussi le coq. Mais ils ont dit non, on ne veut pas se marier. Tu n'arrêtes pas de nous piquer. Alors, elle a une idée. Elle dit, mais oui, je vais aller de ce côté. Trouver un mari qui n'a pas peur d'être piqué. Alors, elle arrive ici et elle fait « Je suis Yvette, la reine des fourchettes, la reine des assiettes. Je cherche un mari qui rit lorsque je m'appuie. Un mari qui rit lorsque je m'appuie. » Et là, regardez, qui c'est ça? C'est Sam l'hippopotame. Oui, Sam l'hippopotame. Il dit « Dis donc Yvette, j'aime bien ta chansonnette. Et je veux bien me marier. » Alors elle dit, tu es un mari qui rit lorsque je m'appuie? Il dit, mais oui. Et c'est sur moi et tu verras. Alors elle fait, je suis Yvette, la reine des fourchettes, la reine des assiettes. Je cherche un mari qui rit lorsque je m'appuie. Et lui il fait, ah là là, mais ça me chatouille là. Mais vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, et si moi je m'appuie, est-ce que tu ris? Alors elle fait, mais c'est sur moi et on verra. Alors elle va là et il commence à s'appuyer. Oh là 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 là, non. Attention, tu vas m'écraser. Non, je ne veux pas me marier. Alors Sam lui dit, tant pis. Et il reste ici. Alors Yvette, elle fait, je suis Yvette, la reine des fourchettes, la reine des assiettes. Je cherche un mari qui rit lorsque je m'appuie. Un mari qui rit lorsque je m'appuie. Yvette, j'aime bien ta chansonnette. Et qui c'est ça? Oui, c'est Gaston le hérisson. Tu cherches un mari qui rit lorsque tu t'appuies? Oui. Alors il dit, et c'est sur moi et on verra. Alors elle essaie. Je cherche un mari qui rit lorsque je m'appuie. Ah, il lui fait, ça chatouille là. Mais elle dit, oh non, ça ne se peut pas. Tu me piques toi. Non, je ne veux pas me marier avec toi. Alors il lui dit, ah, tu vois. Et il s'en va par là. Et Yvette, elle fait, je suis Yvette, la reine des fourchettes, la reine des assiettes. Je cherche un mari qui rit lorsque je m'appuie. Un mari qui rit lorsque je m'appuie. Quelqu'un a entendu. Attends. Et regardez ça. Qui c'est ça? C'est Cracra le crabe, oui. Il fait, bonjour Yvette, j'aime bien ta chansonnette. Tu cherches un mari? Alors elle dit, oui, mais un mari qui rit lorsque je m'appuie. Alors il dit, essaie sur moi et tu verras. Alors elle fait, je suis Yvette, la reine des fourchettes, la reine des assiettes. Je cherche un mari qui rit. Il lui fait, ça chatouille là. Ah oui, j'aime bien ça, dit Cracra. Mais il fait comme ça. Et si moi, je m'appuie, est-ce que tu ris? Alors elle dit, c'est sur moi, on verra. Et elle se met là comme ça, regardez ça. Lui, il fait clac, clac, tac. Clac, clac, tac. Non, attends, aïe. Non, ça ne va pas, Tu me serres, tu me piques là, ça ne va pas. Et il fait, ah, tu vois. Et il s'en va, par là. Yvette, elle fait, bon, je vais recommencer. Moi, je veux me marier. Je suis
Yvette, la reine des fourchettes, la reine des assiettes. Je cherche un mari qui rit. Lorsque je m'appuie, un mari qui rit, lorsque je m'appuie. Attends, attends, attends Yvette. Et qui arrive de très 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 loin. Un castor. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'aime bien ta chansonnette, Yvette. Tu cherches un mari? Oui, un mari qui rit lorsque je m'appuie. Eh bien, essaie sur moi et on verra. Et vous savez, elle essaie par là. Sur sa queue, là. Elle fait, je cherche un mari qui rit lorsque je m'appuie. Et oui, il fait, le castor. Ah, 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 ça me chatouille, là, ça me chatouille, là, avec sa queue qui est là. Mais, il dit, et si moi, je m'appuie, est-ce que tu ris? C'est sur moi, et on verra. Mais vous savez ce qu'il fait? Il s'appuie avec. Ses dents qui sont là. Comme ça, il fait... Oui, 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 oui. Aïe, 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 mais tu me mords, là. Mais tu me mords. Mais ça ne va pas. Non, 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 je ne veux pas. Alors, il fait... Tu vois? Et il s'en va. Yvette, elle est embêtée. Elle se dit qu'elle ne va pas se marier. Alors, elle essaie encore une fois. Je suis Yvette, la reine des fourchettes. La reine des assiettes, je cherche un mari qui rit lorsque je m'appuie. Mais qui arrive de loin, très 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 loin. Regardez qui est là. Oui, le petit dragon qui sort de très 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 loin. Et il vient. Par ici, parce qu'il dit, oui, 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 je voudrais me marier avec toi. J'adore ta chansonnette, Yvette. Je cherche un mari qui rit lorsque je m'appuie, répond Yvette. Oui, bien appuie-toi et on verra. Alors, elle s'appuie. Je suis Yvette, la reine des fourchettes, la reine des assiettes. Et lui, il fait, oh, mais oui, mais oui. Ah, ça me chatouille, là. Oui, j'aime bien ça. Mais, il dit, et si tu t'appuies, est-ce que tu ris? Alors, elle dit, j'ai déjà essayé. Je veux bien recommencer. Mais regardez où elle va s'appuyer. La 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 la. Et elle fait comme ça. Ah, aïe 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 aïe. Non 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 non. Aïe aïe aïe, ça va pas, ça me fait mal là. Je ne veux pas. Et puis lui, en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à souffler. Et quand il souffle, elle dit, ah, ça me pique là, ça me pique là. Mais il y a des flammes là là là. Non 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 non, ça ne va pas. Non 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 non, je ne veux pas me marier avec toi. Dragon, il dit, tu vois? Et il s'en va. Par là. Et Yvette, elle dit, être écrasée, pincée, piquée, et puis aussi grignotée, écrasée, quoi d'autre encore? Brûlée? Non, 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 je ne veux pas me marier par ici. Non, 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 non. Et regardez. Arrive la fourmi. Elle lui dit, dis donc Yvette, tu devrais rentrer chez toi. Oui, rentre chez toi et tu te marieras. Oui, allez, pars d'ici et tu auras ton mari. Ah bon? Bon, alors, qu'est-ce qu'elle fait Yvette? Elle s'en va. Et elle s'en va comment? En chantant. Et elle chante, souris, souris. Petite souris, c'est une amie qui te le dit. Pour être gay toute la journée, danse sur un pied, puis sur l'autre pied. Et puis aussi, souris, souris à tes amis. À tout de suite pour la suite. Souris, souris, petite souris, c'est une amie qui te le dit. Pour être gay toute la journée.